Guillaume et Vincent dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Faire le ménage ». On va vous voir. Des fois, je choque, mais là, ça va être fatigué. Bonjour à tous, ici Guillaume et Vincent dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. La capsule d'aujourd'hui s'intitule « Faire le ménage ». On vous a présenté précédemment le mode de vie paléo, mais des fois, c'est peut-être un peu trop gros, vous vous demandez par où commencer, comment résister à la tentation, sachant que l'aspect nutritionnel, c'est sans doute le plus important des trois aspects du mode de vie paléo. Mais la stratégie qu'on vous propose pour bien suivre le plan nutritionnel paléo, c'est de faire le ménage. Qu'est-ce que tu appelles faire le ménage, Léon? Oui, bien, faire le ménage, c'est se débarrasser des choses qui vont trop nous tenter, de la malbouffe, des cochonneries, pour que quand on a envie d'en manger, bien, on vient s'aider. Parce que souvent, les gens ils pensent que bien manger, c'est une question de discipline. Puis c'est strict, là. On se prive, c'est pas grave, on continue à forcer, c'est difficile. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est rendre ça vraiment facile. On veut pas avoir d'efforts à faire. Puis si on se débarrasse des choses qu'on va demander, qu'on va avoir à résister à la tentation, on rend ça vraiment plus facile. Dans le fond, on essaye de créer une absence de choix. C'est exactement ça. Si t'as pas le choix de bien manger, tu vas bien manger. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, on s'arrange pour que on fait des choix pour changer notre environnement, pour que notre environnement nous change. Donc, faire le ménage. On s'en va dans nos armoires, dans notre congélateur, puis là, tout ce qui est la cochonnerie ou tout ce qui n'est pas paléo, on l'enlève. On peut le donner, on peut le jeter, ça sert à votre discrétion, mais on ne veut juste pas que ça soit dans la maison carrément. Puis, cachez-le pas dans le fond de l'armoire, c'est pas grave. T'sais, vous allez monter sur une chaise, vous allez le chercher. Il faut vraiment que ce ne soit pas dans la maison. Donc, le pain, les pâtes, la crème glacée, les mets déjà préparés. Toutes les biscuits, les sucres, les fruits en canne. Les fruits en canne, on va dans les armoires, on prend ça dans une boîte, puis on s'en débarrasse. Puis là, on vient de se créer justement l'absence de choix. Quand il va être 10h le matin, quand il va être 10h le soir, on va être devant la télévision, puis on va avoir envie d'une cochonnerie. Votre cochonnerie, ça va être des carottes. C'est ça, parce que c'est tout ce qu'il va avoir. Donc, c'est du. Ça va être vraiment plus facile justement de résister à votre crème glacée s'il n'y en a pas. Donc, on vous encourage à faire le ménage le plus rapidement possible. Donc, vous créez une absence de choix pour un environnement plus favorable. C'était Guillaume et Vincent dans une capsule de Paléo Québec. On se voit dans un prochain épisode.